Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes ici réunis en cette église qui date d'il y a 2 jours, mais qui a quand même date d'il y a 10 siècles, pour réunir la Guéric et le Guéric, la même personne, par les liens sacrés du diable. Voilà. Donc, nous allons tout simplement commencer. Monsieur le Guéric, voulez-vous prendre pour épouse Madame Lagaric, ici présente? Oui, je le veux. Fort bien. Madame Lagaric, voulez-vous prendre comme époux Monsieur Lagaric, ici présent? Oui, je le veux. Je peux déclarer au nom du diable, de ce que vous voulez, d'une Necronomicon, enfin soit, que vous êtes déclaré mari et femme. Vous pouvez échanger des alliances et vous embrasser ou vous tuer, c'est comme vous voulez, vous êtes marié. Ah, ben voilà, il a choisi le meurtre. Félicitations aux mariés. Salut à tous et à toutes, ici RecShaft. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Diversia. Ça faisait longtemps que je n'ai pas tourné d'épisode tout court, même pas d'une autre série, d'un autre jeu. Non, ça fait longtemps. Peut-être que pour vous, ça n'en fait pas si longtemps que ça, parce que j'ai déjà tourné des épisodes et j'ai déjà posté des épisodes de Diversia pendant 2 semaines. Enfin, j'ai posté que 2 épisodes, hein. Mais c'est des épisodes qui ont été tournés en avance pour la simple et bonne raison que je passais mon bac et que du coup, j'avais pas trop le temps de tourner un épisode. Ceci dit, je reviens avec beaucoup d'épisodes, je l'espère, sur Diversia et sur d'autres jeux évidemment. Alors, il faut savoir que on a beaucoup, 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 beaucoup de changements sur le serveur, et notamment cette merveilleuse église, puisque vous avez pu voir la magnifique cinématique qu'il y avait juste avant, au début, à l'intro de cet épisode. Donc, je vais me remettre en vue de base, comme ça sera plus pratique. Tac, déjà, on va réactiver ça, et on va se remettre en vue normale. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Aujourd'hui, on va principalement voir les nouveautés et aussi vous présenter. Je ne sais pas si je pourrais être en vocal avec ces personnes-là. Je pensais être en vocal avec une seule personne pour l'instant. Mais sinon, il y a aussi des nouveaux membres et donc on va voir tout ça ensemble. Déjà, il y a cette église. Oui, un petit truc pour le troll fait par Trakasama. J'espère que je ne spoil rien, mais normalement, Traka ne fait pas d'épisodes malheureusement sur Diversia pour la simple et bonne raison que son PC n'est pas très performant pour jouer et tourner en même temps. Du coup il fait pas d'épisodes, mais ceci dit il est actif. Donc il a fait sur la montagne qu'il y a au spawn et ce magnifique petit village. Je sais plus, je crois que j'avais dit que j'allais le montrer sur cet épisode, donc on va en profiter. Alors bon, là il n'y a rien pour l'instant, mais il a fait certains bâtiments. C'est classique, c'est simple, mais ça fait son effet. Boutique rouge sans les vampires ladder. Donc là, betterave, pas cher, profitez-en, moins 10%. Bon, évidemment, il vend rien pour l'instant. Enfin, je sais pas s'il compte vraiment jouer le jeu, on va dire, et vendre des trucs. Mais chez Madame Betterave, voilà, il fait des jeux de mots. Vendeuse de betterave. Donc, rien dans les coffres, hein, c'est juste de la déco. Hop, voilà. Quelques petites boutiques comme ça. Il y a principalement des boutiques dans ce petit village. Boutique d'armure, voilà, chez Kratos. Un petit jeu de mots, encore une fois. Vous voulez des armures pas chères? Vous voici au bon endroit. Chez Kratos, vous êtes un dieu. Évidemment. Vous allez être comme un dieu, bref, c'est un petit peu répétitif, hein. Voilà, par ici, il y a aussi un petit chemin qui nous emmène chez Monsieur Jean Filetou, hein. Monsieur Jean Filetou, pour les armures. C'est encore un jeu de mots très sympatoche.
C'est bien cherché quand même, parce que bon, c'est simple, mais efficace. Voilà. Donc l'église qu'on a vue là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu ici, forcément. Je regardais si on n'avait rien oublié en bas. Ici, nous avons l'écurie. Hein? L'écurie chez Findus. Donc, garantie sans viande chevaline. Lol. Donc voilà, avec des petits chevaux. Il les a pas renommés, ils ont pas de nom les chevaux. Ah bah il y a un âne aussi. Ok. Ok. Voilà, par ici on peut monter dans les murailles, mais. Alors, arbre de l'ancien souverain, ici, ouais. Ici, il n'y avait rien de spécial à part ce magnifique cette magnifique petite cheminée qui est plutôt sympa. Ici, on va descendre là directement, en fait, c'est le bâtiment qui était vide. Et je crois qu'il a rien fait par là. Hein. Non, il a rien fait encore, mais il compte faire quelque chose, donc on verra plus tard. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est d'en bas. Il y a ici un petit passage qui emmène pour sauter en élytra en fait sur le village. Voilà, ça va spoiler un petit peu. Oula! Oula, 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 oula! Ah putain! Faudrait pas qu'il m'explose à la tronche, ce con. Ah, là je crois qu'il est mort. Là je crois qu'il est mort. Donc, voilà. Punaise, mais il y a des mobs partout ici. C'est une catastrophe, hein. Putain, je l'ai tué d'un coup, quoi. Par contre, il y a des petits rollbacks par moment, j'ai l'impression. Wally, Walou. Donc bon, bah en haut, il n'y a pas énormément de trucs. Hein. C'est vraiment juste... c'est encore en construction. Il y a quelques petits trucs comme ça, par-ci, par-là. Voilà. Avec encore un petit feu ici. Heureusement, c'est que la propagation du feu est désactivée. Parce que sinon, tout aurait cramé, là. Mais voilà. Pas mal de petites nouveautés. Hop, ici, je sais plus si... Non, il a rien fait encore. Mais il a prolongé le truc, hein. Il a prolongé le truc depuis parce que tout ça, il n'y avait pas avant et j'avais pas encore visité. Et j'ai remarqué aussi, c'est qu'il est en train de faire une usine à fer. Ici. J'ai pas vérifié si elle fonctionne ou pas, mais je crois pas, hein, parce qu'il manque les villageois. Il disait que ces villageois étaient morts, donc... Donc c'est pas pour tout de suite. Bref, je fais une petite ellipse, on se retrouve juste après au spawn et sans doute avec quelqu'un en ma compagnie. A tout de suite. Et heureux, on est Bonjour. en compagnie de Loïc Gaming, qui est le dernier à être arrivé sur le serveur, il me semble. Ouais. Il y a eu déjà 5 nouveaux membres qui sont rejoints le serve depuis, dont Loïc du coup. Et donc ils ont bien avancé sur le spawn, ils ont déjà fait pas mal, il y a pas mal de bases qui se sont construites, mais j'ai pas présenté les bases encore en épisode, donc on va le faire. Je vais le Pas de faire, je problème, sais je pas si t'assure. Loïc va le faire aussi, Je bah je suis, suppose que allez. oui. Ça Donc, permettra aux viewers de connaître. tout à fait. Bon là c'est le portail du Nether, je l'avais déjà montré moi personnellement. Ouais, pareil aussi, X-Trader aussi. Voilà, ici on a. La maison de X-Raider, donc qui a un petit peu avancé apparemment, selle et armure cadeau Gordam. Oh, c'est un patoche. Donc il fait des cadeaux aux autres, mais pas à nous, Ouais, hein. c'est ça. Avec une Je petite vais aller. boutique. Apparemment, ils l'ont décoré. Je sais Tiens, plus je vais si j'avais regarder s'il y a toujours. visité. Ouais, il y a toujours mes 64 pouces. Que j'ai acheté les filles 3. Non, les filles 5 Unbreaking 3 pour mettre sur ma pioche en games. Ah oui, effectivement. Quand je fais mon usine à slime. Donc là, il y a des petits trucs plutôt sympatoches. Je sais pas s'il y aurait un truc que je pourrais acheter. Des os, si tu veux. Depth Strider, c'est pour dans l'eau, ça. Ouais. Ça pourrait être intéressant, faudrait que je regarde. Plus, bon, il y a Aqua Infinity dessus, mais bon, ça j'ai déjà, donc je m'en fous un peu. Ah ouais, exact. Bah moi je prendrais l'autre, je pense, du coup. Ouais, Jack. non, c'est sympa. Voilà. L'intérieur, bah, c'est décoré. C'est décoré. Il avait fait un petit timelapse en plus. Enfin, petit. Rider, il fait des timelapses assez longs, mais au moins, c'est clair. Il y a tout dedans. Moi, je monte le jardin de mon côté parce que j'ai déjà vu. Ouais. Voilà.
Petite chambre et tout, coffre. Alors, je sais pas s'il fait du rangement dedans, apparemment, non. Attends, c'est moi, il y a un bonhomme de neige qui s'est barré de l'usine à neige. Peut-être, je Je sais vais pas aller du tout. voir ça. Oula, c'est pas éclairé là. Derrière sa vitre, il y a un creeper. C'est juste un tout petit peu dangereux. Effectivement, il s'est barré, mais je voudrais bien savoir comment. Tac. Voilà, avec petite. Un petit. Petite salle de bain. La vue. Ah, mais il y a Alors. un truc APNJ automatique là, non? Ouais, je crois, ouais. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je pense que ça doit être pour produire des Des patates carottes, ou des patates, carottes, ouais. ouais. Et donc, il y Moi, je suis en a. train de la construire pour faire du blé. Ce raider est vraiment très très fort en construction parce que franchement, il nous fait de ces trucs. Regardez-moi ce magnifique jardin, c'est. Waouh! Tiens, waouh! Ah, mais t'es Moi-même, derrière, hein? Moi, j'étais en train de suivre Gordam, je m'étais pas rendu compte. je. Excellent. Non, non, moi je suis derrière. D'ailleurs, il s'est même fait une piscine comme ça, quoi. Tranquillou, le mec. Sans gêne, quoi. Est-ce Il que a pas tu sais perdu. comment on va voir Ah! son usine ou pas? Ouais. Comment quoi? Comment on va voir son usine? Bonne Ah, par là. question. Le petit passage dans la cuisine, la salle des coffres. Tête de Wither au calme. C'est ici en fait, c'est cet endroit-là que Loïc parle. Il parle de ça. Eh bien voilà, j'ai bien dit bonjour, je le savais. Ah bah tu sais très bien que quand on est dans le salon de tournage, c'est qu'on tourne, logique. Voilà. Voilà, alors juste petit détail parce que ça je crois que j'avais pas montré non plus bah, parce que c'était pas fait encore. Les lampadaires, on en parle des lampadaires. Les fameux. Alors, il n'y a pas de patriotisme ou quoi que ce soit là-dedans, bah, c'est vraiment juste pour Qu'est-ce qu'on est l'Euro des fachos? 2016. C'est juste pour l'Euro 2016 parce que nous avons des Belges sur le serveur et nous avons des Français. Donc, nous mettons les deux drapeaux des deux pays qui font partie du serveur. Tout simplement. On aurait pu mettre le drapeau québécois s'il y avait des Québécois. On aurait pu mettre Donc, le drapeau de la Suisse. la leçon à retenir, c'est qu'il faut qu'il y ait des Québécois qui viennent sur le serveur. Voilà. Je transmets les paroles de Ouais. notre cher Alex. Ouais, bah ça serait cool, mais le problème c'est que les Québécois ils ont eu des horaires décalés par rapport à nous, donc Ouais, il y c'est a un un décalage horaire. peu. Si tu veux, ils ont Je 6 heures de savais. moins que nous, donc comment dire? C'est compliqué, si à chaque fois il faut se connecter à minuit pour être avec notre ami, ça va être compliqué. La maison de tracas. La nouvelle maison de tracas. Ta lave, Alors, elle a mouillé là, hein, parlons-en. c'est bon. Normal, ça Parlons-en. bug. Je te vois pas. Ah merde. Comment dire? Le toit est Attends. simple. Bah, c'était le mode. Enfin, normalement, ça devrait pas être du bois, mais un bloc noir. Mais le problème, c'est que je l'ai pas ce bloc noir. Par contre, je te vois toujours pas, Loïc. Non mais je suis déjà rentré. Enfin, je Déjà. décorerai quoi, si tu veux? Ceci dit, Bah, l'intérieur et ça va, je même te vois. l'extérieur, hein, ça passe encore, ça fait une maison bah, moderne, de toute façon le moderne c'est simple. Et Voilà le l'intérieur est système. plutôt sympa et Et il y j'aime a bien deux parce usines. que il a repris l'idée de la mezzanine et ça c'est vachement sympa. Voilà. Voilà Bien joué. voilà, alors qu'en T'es complexe, réalité il moi, tu en sais. avait juste Ouais, rien c'est à vrai. foutre de moi Bah, en fait, non, j'ai l'intérieur. Par contre, j'ai pas vu le design de l'intérieur. J'ai vu le design que d'un petit côté du bâtiment. Donc, du coup, j'ai dû m'inspirer pour le reste. Faut Ici, nous expliquer. avons la maison de Evo. Evo Schwein. Evo Schwein? Schwein. Schwein? Schwein? Ça me... Schwein? Non, je dirais Evo Schwein. Ça Schwein? sonne un peu allemand, mais Schwein. Evo Schwein. Evo Peut-être, je Schwein. sais pas. Moi, je l'appelle Trop mieux, Evo, c'est c'est plus stylé. simple. Ouais. Je l'appelle Evo, c'est plus simple. Alors, faut poser ses chaussures Alors, avant ouais, de jouer, hein. attention, hein, parce que c'est strict quand même chez lui. Je Il ressens a pas la pièce à carrément des dire, allez se règles. faire foutre, hein. Dans la Il a. cave, ça dommage aussi. Elle est où la cave? Je vais poser quand même. Voilà, parce Vêtements à qu'on va gauche. respecter ses règles. Règles de la maison. On enlève ses chaussures en entrant, pensez au nettoyage. Bah oui, c'est sûr, parce que c'est lui qui le fait. Dans Minecraft, on doit nettoyer. Il n'a pas le moyen de se payer une femme de ménage. Quelle honte. On ne vole pas, on peut emprunter en laissant un mot. Je m'excuse, je ne sais pas si on entend les travaux derrière moi. Vite fait, mais c'est pas grave. Ouais, bah, je m'excuse d'avance. Bon, d'accord, je vais poser mes sandales chaussettes. On ne casse rien.
C'est enfreindre la loi de la maison. Oula, il y a une faute à Enfin, je loi, sais non? pas ce que c'est, ouais, je sais pas ce que c'est ce mot perso. Ouais, moi non Loi, plus. je... Non, je sais pas. Là, Qu'est-ce qu'il faut enfreindre? c'est peut-être le jeu de loi, peut-être. Ouais, mais Pas il de manque une soirée ou virgule. de prostituée si je suis pas là. Alex, dégage, t'es une prostituée. Le mec. Le mec, il veut absolument être présent, tu vois. Si tu enfreins les règles, tu seras enfermé comme une victime dans la cave sodomasochiste. Sadomasochiste. Les mangas, c'est la vie. Très bien, d'accord. Je vois pas le rapport, mais soit. Enfin, si, un hein, peu, mais Sadomasochiste. bon. J'ai Rien, une mes guêpe bottes. chez moi, fais chier. Rien, mes bottes dans le coffre. Ouais, 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 ouais. Ils se vantent un petit peu, hein. Oh là 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 là, hein. Ça se la pète, hein. Mon équipement et il manque plus que le mending, quoi, celui-là. Donc voilà, et GG. c'est plutôt sympatoche. C'est plutôt Ah sympatoche, c'est bah. des petites maisons comme Hero ça. Shrine, grâce. Eh, Goûte. hey, ça tombe bien ça, bonjour. 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 Oula, comment il écrit ça lui? Bonjour. Voilà. Mister Evo, qui se TP comme par magie. Enfin, qui se connecte. Ouais. Ah, il demandait comment il se prononce son pseudo. Mais soit. Ok. Le mec. Bah, Evo Shrine. Bah, merci, mais. Quand tu sais pas comment ça se prononce, tu fais quoi? Soit. C'est bien, Evo Shrine. Ah, je suis trop fort. Ensuite, ici nous avons la maison de Monsieur Loïc, qui est le dernier et le cinquième à être arrivé sur le serve. Ouah, wow, bah Loïc il a plus de coude. Il y avait une guêpe, j'ai essayé de l'assommer avec mon coussin, j'ai mis un coup de coude dans la porte. Ah bravo. Je me suis explosé le coude. Pareil, il a fait T'es une un petite maison fail. conviviale, très très petite, très serrée, mais bon, après moi je vais rien dire parce que la mienne c'est pas mieux, franchement. Moi j'aime bien quand c'est collé serré perso. Collé, serré. Et voilà, Collé, on a du collé, copyright, c'est serré. bon, Collé l'épisode la pourra petite. plus La se petite. publier. Quelle horreur. Alors, lui, il aime bien quand même l'intimité parce que du coup, il a fermé tous ses volets. C'est important. Oui, mais c'est des rideaux. On s'en C'est fout, pour les c'est soirées pareil. porno. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est J'en fais pareil. tellement régulièrement que j'ai préféré cacher les fenêtres. Voilà, donc la maison du pédophile tout là-haut, dans la montagne. Les autres du pédophile, putain. Entre T'es quel. pédophiles, on habite à côté. Faut bien qu'on se partage les petites piles. Non mais oh. Ici, nous avons la comment ça s'appelle? Le commissariat? C'est un commissariat? L'inquisition. L'inquisition L'Inquisition. Tounienne. Très bien. Attends, L'Inquisition. Ktounienne. Ouais, je sais pas trop comment ça se prononce, mais Ktounienne. vous avez la manie de mettre des noms chelous. C'est le dieu Ktounien, donc c'est normal. Comment vous voulez que on sache prononcer vos trucs là? Il construit de beaux trucs, mais il leur donne des noms chelous. Bah, c'est l'inquisition Ktounienne. Ah Ouais, oui, bah, et puis il d'accord. fallait que je discute avec Gordon par rapport à une des plaintes qui a été déposée. Ah bon, il y a eu une plainte? Ouais. Sauf que je vois pas où est la plainte en fait. Ne pas signer. Moi, l'autre jour, j'ai failli signer le truc sans faire exprès. Qu'est-ce qu'on a? Donc, Général Traka, très bien. Maréchal Gordam et Colonel Eolran. Voilà. Y a eu un Sava qui a été déposé dans le bouquin, putain. Les gars, please. Alors. Ah, si, il y a quand même un coffre qui a du matos. Celui-ci aussi, je crois. Ouais. Alors, avec une. Faut avouer quand même que c'est une bannière assez chelou. Mais qui fait son effet quand même. Ah bah c'est le symbole octounien. C'est Cthulhu quoi. Je sais pas, je connais pas ce genre de communauté ou ce truc là. Ou cette secte. Moi connais pas, moi pas connaître. On pas connaître. Nous avons ici donc là le Guéric, tout ça. Nous avons l'usine Aztec qui n'est pas Et terminée d'ailleurs. là-bas nous avons Izalka. Isarka, tout à fait.
Userka qui a fait, qui est le premier à être arrivé sur le serveur, le premier des recrutés. D'ailleurs, je remercie. Pas TPD. Oui, je sais, je dis ça en épisode sans gêne, mais ne vous inquiétez pas, on dit ça pour rire, nous, sur le serveur. C'est comme ça. On se permet. Tiens, il C'est y a un peu de diamant. C'est le mec. en toute intimité, bien sûr. Voilà, qui, quand même, il faut avouer, est bien équipé, hein. Même s'il faut avouer aussi que c'est très le bordel, mais pourquoi pas. Il a été le plus rapide à avoir ses élytras quand même. Ouais, alors là, Toutes les personnes Endroads, par contre, confondues. il adore ça, hein. Voilà, je pense que c'est tout. Du coup, bah, je vais citer la liste des nouveaux membres. Nous avons un premier, du coup, bah, comme je l'ai dit, Izerka Gaming. Toutes les chaînes sont dans la description, bien entendu. Ah, d'accord. Toutes les chaînes sont dans la description, bien entendu. Nous avons X-Raider 555, mais bon, X-Raider, c'est très bien. Aussi, avec une chaîne YouTube et qui fait des Voilà. épisodes. Attends, Bonjour Gordon, on va aller Gordam. dans un salon à côté. Genre It's salon Diversia. not a Voilà. problem. Lol, alors le TS, les merveilleux sons TS, du coup on est tout seul, c'est pas un problème. Du coup je disais, on a X-Raider aussi, donc qui fait des épisodes sur Diversia, qui fait beaucoup d'épisodes, même c'est l'un des plus actifs là actuellement. Sachant qu'il part en vacances, il a fait énormément d'épisodes en avance, donc je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Nous avons Evo Schwein. Ah, du coup, ça y est, voilà. Je sais plus comment on prononce. Bravo, Alex. Tu dis n'importe quoi. Evo, voilà, tout simplement. Qui a aussi une chaîne, je crois. Que je regarde un peu. Il me semble que oui. Je sais plus s'il a fait des épisodes déjà sur le serveur. Mais je vous invite à aller voir aussi. Nous avons Genis aussi. Genis, qui est le quatrième à avoir rejoint le serve. Par contre. Je crois que c'est le seul des nouveaux à ne pas encore avoir fait de base au spawn, il me semble. À moins qu'il l'a fait quelque part, mais que je l'ai pas remarqué, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ceci dit, il se connecte, mais ouais. Je sais pas où est-ce qu'il. Je me rappelle plus où est-ce qu'il a fait sa base, mais au prochain épisode ou peut-être. Ouais, sûrement au prochain épisode, je vous montrerai où elle se situe. Et nous avons enfin pour terminer Loïc Gaming, qui est la maison du pédophile qui est là-bas, comme on l'a dit tout à l'heure. Lol. Au prochain épisode, on continuera cette usine, puisqu'il y a la déco à faire. Voilà, ça y est, il s'attaque. Il s'attaque. Vas-y, 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 tue-le. Oui, tu peux l'avoir. Pour la fin de cet épisode. Messieurs, dames, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va voir qu'est-ce qui va gagner. Attention, eh bah, c'est celui-ci qui a gagné. Bravo à toi. Tu es le regagnant. Voilà. Je sais pas comment il s'appelle, le squelette. Ils avaient pas de nom, mais c'est pas grave. Un petit combat entre squelettes de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ceci dit, je vous dis à la prochaine. C'était Alex Shaft pour un épisode de Diversia. Pour mon retour, au prochain épisode, comme dit, on fera la déco de l'usine Aztec, donc on essaiera de finir cette usine. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine, c'était Alex Shaft pour un épisode de Diversia. Ciao! Bye bye!